Ouais, salut les oiseaux, c'est Parano, on se retrouve pour ce cinquième épisode sur Killzone Shadowfall l'intégrale. J'espère que vous allez bien. Alors on s'était arrêté sur ce petit conduit là, il fallait qu'on retrouve notre ami Zeus pour attraper Chiran. Ok, mais il est juste là le monsieur. Qu'est-ce qu'il a sur toi? C'est clair. Il y a quelque chose, hein? T'es là? Quoi? Spécial. Tu savais pas? Moi aussi je suis spécial, comme tout le monde. Abrège. Où il est? Hé, hey, Molo. Viens voir. Moi c'est le tour. Ton pote Tyrann est retranché en bas. Tu dois descendre un conteneur dans le canyon. Je te le dis, c'est le boxon là-bas. Si tu vas, t'en sortiras pas. Ils vont venir me chercher. Il y a une base de données de surveillance sur la plateforme. Si tu la détruis, j'ai une chance de m'en sortir. Tu me dois bien ça. Je vais voir ce que je peux faire. C'est tout ce que j'ai. Prends ce que tu veux. Ouais, personnellement, vas-y, le C4, ouais, je suis tenté. Par contre, j'aimerais bien récupérer mon arme, ouais, voilà. Je vais garder celle-là. Alors, l'objectif facultatif est de effacer le nom de Zeus. Rapport de situation. Contrôle, ici Diamant 2-6. On a trouvé la patrouille perdue. Ils sont tous morts. Qui oserait faire ça? J'en sais rien. Mais ils devraient être nombreux. Restez sur vos gardes. Je suis tout seul en fait. Mais c'est pas grave. Donc, E descendre. D facultatif. D'accord, on va faire le D d'abord alors. Alors par là on peut pas aller. What? Je les ai pas eu à 4 secondes là. On peut pas passer par là. Fais chier. Comment vous voulez qu'on fasse des missions genre une infiltration Putain, elle est pas belle elle. Je me trompe à chaque fois de touche. Lui il est de dos non? On va essayer de lui mettre. Oh putain, je l'ai fait devant les gens, ils sont affolés. T'affole pas, t'affole pas, qu'est-ce que tu as? Oh les mecs sont traumatisés, vous avez vu ou quoi? Alors Zeus c'est là-bas. Oh putain! Elle est énorme cette arme. Elle est énorme. J'aimerais bien avoir des munitions. Non, ça va, ça va, ça va. Sérieux, vous allez pas me donner des munes? Tout d'abord, on va te faire descendre. Va à la tour de lancement. Arrête l'un des scarabs. Utilise-le pour aller dans le canyon. Mais non, mais c'est pas là que je veux aller. Non, je vais faire la mission facultatif. Referme la porte. Putain, fais chier. Et j'ai la haine là. Sérieux, on peut pas retourner en arrière? Sérieux? Putain, je suis au moins une dinde. Pfff.
comme ça me met les nerfs ça. Ouais, c'est ça, tu vas voir quelque chose. Ouais. Oh putain, je vais me faire tuer. Non, ça va en fait, ça va. D'accord, ça serait trop demandé des munes s'il vous plaît. Oh putain, j'ai oublié de faire un truc aussi. Ah, c'est bon, c'est good. Petit endroit sombre. Là juste je dis ça, j'ai été éclairé. Alors je sais pas par quel côté ça va se passer. Ok, on arrive dans les bas-fonds, frère. Donc comme je l'ai dit, j'en parlais avec Ex. Je sais pas, je me rappelle plus si je l'ai dit ici, tout au long de ce playthrough. Je suis en train de voir réellement, parce que là vous voyez que il n'y a pas photo. Ça en jette grave. Ma seule migration, on va dire, pourquoi j'étais allé sur PC, c'est vraiment pour les graphismes, je voulais tâter un petit peu la souris. C'est vrai que pour des FPS, c'est vraiment juste énorme. Il n'y a pas mieux, je pense. Zeus, ici 1-8, tu me reçois? Alors je laisse parler. J'écoute. Zeus, réponds. Terminé. Bon, ma foi, on dirait qu'il veut pas parler. Et quand je vois vraiment, rien que le premier jeu qui sort sur la console, il est juste exceptionnel. Si je vois que tous les jeux sont comme ça, je pense rester. Je pense bloquer vraiment les consoles. Je vais pas vous mentir, même si je jonglerai avec le PC, bien évidemment. Mais voilà quoi, franchement, je pense m'éterniser dessus. Je pensais vraiment juste faire 2-3 jeux, m'amuser un petit peu avec les collègues et tout ça dessus. Mais là, vraiment, quand je vois tout ça, je me dis que ouais, c'est juste hallucinant. Quand je vois le nombre de zombies qu'il y a à l'écran dans Dead Rising 3, quand je regarde le let's play de Hex, je me suis juste affolé quoi. En plus, le truc c'est super fluide. Donc, il n'y a pas photo. Moi, je pense que là, ça va être vraiment, vraiment du très, très, très lourd. J'ai déjà quelques petites réactions par rapport aux premières vidéos que j'ai postées sur le jeu. Et je vous remercie, je vois qu'il y a plein de personnes qui ont attendu, qui ont été patients, qui ont attendu mon let's play pour commencer à regarder le... qui a attendu pour regarder du Killzone. Et ça fait vraiment plaisir. Je vous remercie, franchement, vous êtes au top les oiseaux. Vous avez vu que toute la chaîne est en train de se refaire faire. Il y a le background, il y a le logo, bon bien sûr, bien évidemment, il y a eu l'intro. J'espère que la qualité de vidéo vous plaît. J'essaie toujours de mettre au top, mais c'est vrai que ouf, je fais tomber avec YouTube qui pixelise à mort les vidéos et tout, c'est pas facile. J'avais presque oublié que j'avais une tyrolienne. J'essaie de faire mon maximum, mais YouTube voilà, encode de façon très bizarre et du coup ça casse un petit peu le délire. Ou sinon, c'est vrai que je suis toujours à fond sur les lives, je live beaucoup la nuit, c'est le petit problème. Mais vous inquiétez pas, je pense que prochainement je vais changer de disponibilité au travail en fait. Je vais me remettre 2 jours parce que j'ai plus de vie et ça commence à me fatiguer. Je me couche tous les jours à 8h du matin. Je vis la nuit, c'est bien et non, je vois plus ma fille, je vois pas ma femme. Ça commence un petit peu à me rendre dingue. J'ai envie d'avoir une vie normale maintenant, je commence à être... tout simplement, voilà, un daron normal quoi, ça fait rire quand je dis ça, mais... Coucou. Wow, lâche ton arme. Lâche ton arme. Espèce de bâtard. Fais attention toi. Tête de cul. Attends, il va pas mettre un coup en traître. Non, ça va. Ouais, je pense que je vais prendre ça vu que j'ai plus beaucoup de munitions. Et je crois que c'est un fusil à pompe. Par contre, je voulais dire quoi, là c'est vrai que franchement l'ambiance elle est... C'est un truc de malade hein. Je sais pas ce que vous... Si vous... dites moi ce que vous en pensez. Alors on a pas trop vu d'ennemis. Oh waouh, la musique là.
Oh, c'est juste énorme. Comme je disais au début du jeu, la musique était pas si bien que ça, à mon goût, hein, perso. Là, ça a carrément plus rien à voir. D'un coup, elle est énorme. Du moins, je la trouve énorme. Alors, le mec a dit qu'il y avait Shadow Marshall. Je présume qu'il parle de moi. On va se calmer un petit peu. Donc, une femme qui s'est un petit peu affolée tout à l'heure. Encore une fois, les petits effets d'étincelles et tout. N'aie pas peur, n'aie pas peur. Et je pense que ça sera plus le peuple qui me signalera. Parce que depuis tout à l'heure, je trouve des chips. Ils sont en mode je m'affole. Ok. Ça sert à rien de retourner par là. Tout à fait. Point de contrôle. Qu'est-ce ici? Cet homme se tient devant vous car il a osé prendre quelque chose. Quelque chose qui ne lui appartient pas. Quand tu voles, mon frère, tu voles chacun de nous. C'est à Tyrann que je suis désolé. Je le rembourserai, je le jure. Et quand tu tapes, mon frère, je te défonce. Franchement, j'ai bien aimé la petite altercation. Wow, wow, wow. Je suis là. Venez, venez. Oh là là, l'ambiance. T'es où? J'avais entrevu un truc, je me suis dit qu'est-ce que c'est? En fait, c'était lui qui courait. Il m'a fait flipper. Je préfère y aller tranquille, c'est vrai que. C'est pas du tout un FPS que j'ai pas l'habitude de jouer à ce genre de jeu. C'est la première fois pour moi, pour un Killzone. J'étais en train de dire, c'est la première fois que je joue à un Killzone. Hein. Personnellement, il y a des bonnes scènes, il y a des scènes un petit peu d'accalmie, il y a des scènes qui sont un peu plus énervées. J'ai failli sauter sur le truc, j'ai pas dû. Heureusement que je l'ai pas fait. Alors ils sont très énervés, ils sont pas mal en plus. Hein. Je vais profiter de ça. Et comment il m'a vu? Oh là là, dinguerie! Allez hop, moins 2. Grenade, ça pique. Ok, il n'y a personne qui m'attaque par derrière, c'est good. Et occupe-toi d'eux. Énorme. Hein. Ok. Alors je vais aller au coup de poing, d'accord? Tu as aimé? C'est ça que j'aime voir sur un jeu, les oiseaux.
C'est ce côté-là, vous voyez? Ça faisait longtemps. Et je disais, franchement, c'est vrai qu'il y a des accalmies, des moments chauds, mais ouais, je trouve que c'est bien tempéré. C'était un petit peu en mode bouclier, c'est vrai que le mode assaut est très violent. Mais jouer tout le temps en mode assaut du début à la fin, c'est pas non plus mon but. Voilà, plus de bruit. Et on descend de plus en plus, c'est juste chaud quoi. Oh, le chacal, petite scène surtout plutôt épique que j'ai bien aimé là. Je vais te retrouver en premier, frère. Je vais te faire la peau. Deux petites secondes. Ouais, pourtant je suis à 50. Oula. J'ai l'air d'être tout seul ou... Oh putain! Oh, il a disparu carrément. Ah, tu étais juste là? Je vous dis, les musiques elles sont énormes. Hein. Putain. Ah! Il y avait un comic book. Ah, c'est bon, je l'ai pris. Par contre, je suis désolé, je vais mode pause 2 secondes. Je sais pas combien je suis de vidéo. Je suis à 15 minutes. Je sais pas ce que j'ai des. Je sais pas, le perso il réagit bizarre. Je sais pas du tout ce qui se passe. Donc, je vais couper le record. Je vais le relancer de suite, les oiseaux. À de suite. Ouais. Donc, je sais pas ce qui s'est passé. Là, c'est revenu à la normale. J'ai coupé le record. Peut-être c'était un petit bug. Je le voyais même pas lui. Alors, qu'est-ce que j'ai comme arme? On va rester sur ça. Il y a des tremblements sur les écrans, je sais pas ce qui se passe. Des munes, oui, je veux des munes. On peut pas?
Alors je vois qu'il y a pas mal de monde qui me demande s'il y a un multijoueur. Oui, il y a un multijoueur sur Killzone. D'ailleurs, je ferai des vidéos dessus. Comme ça, ça c'est dit. Et d'ailleurs, vous voyez que ces personnes qui sont en fantôme, on peut être aussi comme ça sur le multijoueur. Il y a des personnes qui jouent beaucoup en invisible. Ne vous inquiétez pas, on les voit. D'ailleurs, ils me font rire à chaque fois. Ils croient qu'ils sont en invisible. Et je les défonce assez souvent. Alors, juste. D'accord, je savais que j'avais un snipe. Tu vois comment nous vivons ici. La plupart des gens appellent ça la souffrance. Un état d'esprit créé par ton peuple. Pour nous faire croire que ce qu'on peut obtenir, ou ce qu'on a, n'est pas assez bien. Que nous devons être comme vous. Des consommateurs matérialistes, des criquets qui consomment, dévorent. Ton gouvernement parle de démocratie. Qu'apportera la démocratie à mon peuple? Ils ne veulent qu'une chose. Nous faire croire qu'on a le choix. D'accord, petite scène, c'est chelou, il faut déplacer des trucs pour se balader. Des sortes de grues géantes. Ils veulent qu'on les croit. Qu'on croit en leur bonté apparente. Le patriote qui a fondé la Black Hand croyait en l'espoir. En l'équilibre. Mais il a été trahi. Trahi par un lâche qui voulait s'enrichir de ton côté du mur. Demande bien ton avis. Mais je sais que tu n'en as pas. Tu es un outil. Tu n'es pas plus une personne que l'arme que tu tiens. Ça, c'est pas gentil, par contre. Je suis pas une arme, ok? Ah ouais, quand même. Fou, je sais pas si c'est comme ça que... C'est comme ça qu'il fallait faire la chose, mais en tout cas, je suis passé juste, hein. Ouais, on dirait que c'était comme ça. Et pourtant, il existe une différence claire entre nous. Je prends des décisions. Tu n'es qu'un pion. Un instrument. Tu ne sais pas ce que c'est de prendre une décision difficile. Je t'envie. D'accord. Tu m'envies. C'est cool. Voilà, je vois des mecs au fond là, à droite. Ils m'ont vu? Ouais ouais, carrément, il m'a vu. Et il m'allume ces chacals en plus. Je peux y aller là-bas? Non, même pas. Oh putain, attends, je fais flipper gros. Attends, je suis con. Hein? Ah non, je croyais que c'était lance-roquette, c'est pas lance-roquette. Non, c'est fusil à... Ok, bouge pas toi. Hein? Je préfère. Et toi, tu meurs si? Voilà. Voilà qui est mieux. J'allais me dire, on peut pas y aller là-bas, si si. Ok. Ouais, d'accord. Hein? Ok.
Oh, calmez-vous. Oh merde. Relève-moi, bordel. Qui me tire dessus? D'accord, ça lui a rien fait. Énorme blague. Je savais pas qu'il pouvait passer par là. C'est vraiment un chien le truc quoi. Plus personne à l'horizon? Si si. Salut toi. Oh, lol. De 110 balles, je pense que ça va me suffire. Pulsar, ici 1-8. J'ai du nouveau. Je vous l'envoie tout de suite. Reçu 1-8. Bien joué. C'est exactement ce dont on avait besoin. Des traces de Tyrann? Négatif. Continue. Pulsar terminé. Si vous aviez pu voir ça, leur souffrance. Silence! Vous étiez censé attendre! Ça fait 20 ans qu'on attend! On en a marre d'attendre! Quoi qu'il en soit, je leur offre un avant-goût. Et sans moi, vous n'auriez pas cette possibilité. Ce qui les attend ici, sur Elgan, est mon affaire. Ne l'oubliez pas! Peut-être que je compterai jusqu'à 10 la prochaine fois. Ne vous inquiétez pas. Votre utilité compense votre impétuosité. Le moment venu, vous allez convoyer l'arme. Je suis flatté. Quand sera-t-elle prête? Bientôt. Little Mouse est là et travaille dur. C'est ça, Vectan? Les talents de Massar ne sont pas gâchés. Mais elle travaille désormais à l'élimination d'une autre race. La tienne. Voyez, Tyrann, voilà ce qui arrive quand on fait tout sauter. Les gens viennent chercher des réponses. Fais ce que tu es venu faire. Rends ton pays fier. J'ai pas trop bien compris ce qui s'est passé, il te fait sauter là. Elle est où cette zone? Putain, c'est loin. Il veut pas courir. Wow. Putain, c'est chaud. Il est dans un état. En même temps, t'as vu d'où il est tombé le mec? C'est un miracle qu'ils soient encore en vie. Oulala putain. Bouge, bouge, bouge. Oh putain. Toi, elle est où la zone?
reçu, tout ça. Moi, acculé, chef. Je peux pas m'échapper. Bon sang. Tu sais ce qui va se passer, soldat? C'est pas la première fois, chef. Ils ne te libéreront pas une deuxième fois, Lucas. Je ne vais pas t'abandonner. Tu m'entends? Je devrais admettre la défaite. Sinon, je te couvre de ridicule. Capturer ton contact. Inutile de résister. Ça sert à rien. Il nous a tout dit. Vecta t'a abandonné. Son pouvoir s'étiole. Elle est inférieure. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Je ne te ferai pas de mal. L'attaque sur Vecta n'a rien à voir avec nous. Je ne tiens pas à commencer une nouvelle guerre. Maintenant, dis-moi, avec qui Tyrann travaille? Détache-moi. Tu n'es pas en mesure de marchander. Qui est-ce? Stahl. Yoran Stahl. Il est sur Elgan. Vous lui avez donné Massar. Elle fabrique une arme pour lui. Les Vectans. Les hybrides. Tout le monde va mourir. Y compris toi. Tu as reçu des ordres. Je m'attendais à ce que tu les exécutes. Comment tu as pu? Ce que Massar a fait sur ce vaisseau est abominable. Elle mérite d'être sanctionnée. Je la tuerai moi-même, s'il le faut. Oh, je t'en prie, épargne-moi ces simagrées. Tu parles de choses que tu es bien incapable de comprendre. Qu'est-ce que Stahl t'a promis? Le pouvoir? Il nous a promis un foyer. Et la survie de notre peuple. Nous aurons au moins la possibilité de négocier en position de force. Ce que nous avons toujours voulu. Et mérité. Pas de cette façon. As-tu oublié la nature du sang qui coule dans mes veines? Comment oses-tu me contredire? Quelle que soit la faction visée, je mourrai! Tais-toi immédiatement! Mère, s'il te plaît, je... Ne m'appelle jamais comme ça! Tu n'as pas le droit d'exiger quoi que ce soit. Garde. Je vais te faire expédier. Là où tu seras en sécurité. Attends! Non! Mère! Je t'en prie, ne fais pas ça! C'est étrange de se dire que nous étions la même race et que maintenant... vous êtes nos ennemis. Je ne devrais pas ressentir rien. But I do. Gardez-le en vie. Je
Où suis-je? Tu as été déplacé. Sinclair, il faut que je le prévienne. Non, pas le temps. Suis mes instructions et je vais te sortir de là. Ne t'inquiète pas, je te protège. On n'a qu'une chance de te faire sortir. C'est maintenant. Où es-tu? Pas loin. Écoute, on n'a pas le temps de parler. Fais ce que je te dis. Wow. Attends, tu n'arriveras pas à sauter si loin. Laisse-moi juste pirater les commandes de stockage. Voilà. Vas-y, escalade les conteneurs. Prends ton élan et saute. Écoutez les oiseaux, moi je pense qu'on va s'arrêter ici. Franchement, c'était juste un truc de fou, cette cinématique et tout ça. Je vais profiter aussi pour parler des succès, les trophées, vu que je viens d'en avoir un. Les trophées, je trouve ça vraiment, je sais pas, mieux fait sur PS4. Après, bien sûr, c'est nouveau, c'est tout neuf, donc on trouve toujours que c'est toujours mieux fait. Franchement, je trouve qu'ils sont plutôt classe. Après, ça reste mon avis. En tout cas, moi j'espère que vous aurez apprécié cet épisode. La cinématique de fin avec les petits bruits, la petite ambiance et tout ça, franchement c'était juste énorme. J'aime vraiment vraiment l'ambiance, ça commence à prendre une grosse grosse tournure. La fille qui essaye de comprendre un petit peu ce qui se passe, elle est hybride donc elle est des deux côtés, c'est un petit peu chelou. L'autre qui prépare une bombe pour tout faire péter. Franchement, je pense que il va se passer des trucs de dingue. De toute façon, on va le découvrir très prochainement dans la suite. Moi, en tout cas, j'espère que vous avez apprécié cet épisode. Et je vous dis à très très bientôt sur la Noctule des Oiseaux. C'était Parano. Allez, peace.